Ok, donc bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui donc juste 5 petites minutes après je vais devoir faire une coupure juste parce que j'étais bloqué ici et faut que je sauvegarde. Comment le donc j'ai trouvé sur internet la réponse mais pas l'explication. J'essaierai de. Attends, je vais juste prendre un screen. Hop, voilà. Je prends un screenshot de cette énigme et je vais savoir pourquoi. Quoi qu'il en soit, la réponse est 33. Ça m'a été. Pour trouver cette réponse-là, je suis tombé sur le wiki de Baldur's Gate. Et ils disent dans le wiki qu'il a tué 33 enfants. Voilà. Voilà, donc petite sauvegarde rapide. De toute façon, on n'a pas d'autre choix, à mon avis, que de les buter. Hein. C'est fait. Bon, on va juste se tirer dans les égouts pour être le plus tranquille, le plus rapidement possible. Bon, ok. Se tire de là. Ok. On va tenter de se le faire. Sauvegardez où? Sauvegardez là. Bon, ok, écoutez, je coupe. Juste, je voulais voilà, relancer juste la partie suivante. Et puis, bah, je vous reprends bah, d'ici peut-être quelques heures. Ça dépend. Voilà. Allez, sur ce, bah, je vous dis à tout à l'heure. Ok, donc, eh ben. Oui, rebonjour à tous. Donc, excusez-moi. Donc, en plus, j'ai voulu reprendre. Et j'ai eu. Vos goules. J'ai eu un. Je disais que j'avais eu un bug d'enregistrement. Donc j'ai rechargé et on se retrouve ici. Ok, on s'est attaqué, tout va bien. Ouais, je vous épargne. Voilà, je vous ai parlé de l'F6, c'est ce que je voulais faire. Passons aux choses sérieuses maintenant. Voilà. Et donc on va essayer de se reposer. Voilà. Bon, objectif aujourd'hui. Essayer de. Ben. On va voir. On va voir ce qu'on peut faire. Ah, ouh là là! Ok, tout va bien, on gère, pour le moment on gère. Se passe-t-il? Oui, bien
Enfin, ça... Rejeter. Restez où vous êtes, pas l'enfant. Qu'est-ce qui vous a fait ça? Pauvre de vous, vous confondez. Cela, bénédiction et malédiction. Que vaut votre chair si maigre face à cette beauté fatale qui est la mienne? C'est Schlumpfcha qui m'a fait ce que je suis. Vous devriez vous réjouir si vous octroyez, si vous octroyez le même privilège. Ok. Pensez qu'il allait nous attaquer, il n'en est rien. Là, il y a un petit bug graphique, on voit du vert, c'est sympa. Petite sauvegarde avant de savoir où est-ce qu'on va atterrir, parce qu'on est où là? Ok, on va voir où est-ce qu'on atterrit. Petite partie d'une heure là, hein, juste toute petite. On va sauvegarder là. D'accord, Sky se cache dans l'ombre. Elle arrive à... Oh, charmante, charmante, absolument charmante. Ok, faut qu'on aille un peu plus à droite. Tué par Ivan, la sirène rougissante. Ah non, Ivan a tout vu de ses yeux. La sirène rougissante, ok. Et ben au moins maintenant, la sirène rougissante, on sait où c'est. Il me semble me souvenir où c'est. Et c'est pas là. C'est pas là la sirène rougissante. Non. Une tâche facile. Plus sur la droite, j'ai dit, hein. Sauf que là, je peux pas y aller. C'est Essayer fait. par là. Il y a une baignoire. Une araignée éclipsante. Elle est où? Elle est là. Excusez-moi encore pour les bestioles. Apparemment, quelqu'un vient de... Ouais, apparemment, j'ai de la visite. Désolé. Nous avons des invités, oui, je vous sens. Et notre chef, vous avez été élevé parmi les illivres. Oui, j'ai entendu parler de vous, MDG de Normandie, j'ai entendu murmurer votre nom dans les salles. Dans les salles de pierre, hein, où le gazouillis de l'eau se mêle. Au bredouillis des morts, ils veulent votre mort, savez-vous? Qui êtes-vous? Ce sont ces créatures grouillantes dont vous êtes entouré. Qui voulait ma mort? Vous? Qui? Enfin, non, pas moi, pas encore. Mais votre mort à présent. Et si tentante, si proche, elle me gave ces putains de bestioles, je vous jure. Ah, vivement que j'aille les égorger, un de ces quatre. Désolé, mais. Bon,
Ne parlez pas de ma mort ou je précipiterai la vôtre. Maintenant, donnez-moi le nom de celui qui me traque. Vous l'avez déjà rencontré deux fois, peut-être, et vous allez le rencontrer encore quatre fois d'ici là. Vous allez le rencontrer quatre fois d'ici là. J'en ai dit beaucoup, mon enfant, mais pas tout. Les égouts vous auront peut-être, comme dit Julien Normandie, mais pas moi, pas moi. Ok, bon. Bah, faut la joute diplomatique avec eux, et ça passe. Ok, là on a un corps. Et là, on peut remonter. Si l'autre barde là. Alors, pourquoi lui, il se déséquipe? Faut qu'on m'explique. De temps en temps, il se déséquipe sans raison. Bon. Une nouvelle petite sauvegarde. On est descendu trop bas là. On est descendu trop bas. Mais la sirène rugissante. La sirène rugissante, c'était par là. Dans mes souvenirs, c'était plutôt par là. Sauf si ma mémoire me joue des tours. On va se tenter un. Oui, bien sûr. On va tenter de changer de map. J'espère juste ne pas rencontrer un de ces gardes du poing enflammé qui veulent notre mort, hein. Je le rappelle, on a été contraint d'assassiner. Enfin, contraint. C'était scripté, donc on devait de toute façon le faire. Et génial, il y a de l'orage maintenant. Il y a de l'orage IRL. Ok, de toute façon, de l'autre côté de la. Ok, personne ne. Parce que j'ai entendu bonjour à la compagnie, j'ai cru que quelqu'un allait nous parler, mais non. Bon, ici. Bonjour la compagnie. Je suis la loi. Et mercredi. Autosave, ok. Bon, on peut pas accéder aux égouts par là. Des égouts. C'est sur Facebook. Je pense que j'ai mon ami Anubis qui a essayé de me répondre à une question que je lui avais posée. Bon, bah, je vais aller voir ça. Oui, bien sûr. D'ici quelques minutes, combien de temps? Il y a 10 minutes, ok. On a encore une de ces satanées araignées éclipsantes. Je suis désolé, alors là je suis absolument désolé. Je suis sûr que c'est Anubis qui me demande.
Écoutez, je vais juste C'est fait. aller jusqu'au bout là, et puis on va voir un petit peu ce que tout cela donne. Et je vous reprends tout de suite. À mon avis, il doit m'envoyer, à mon avis, tous les liens que je lui ai demandé. Il doit m'envoyer des liens, je crois. Bon, bah, veuillez m'excuser pour cela, hein. Un petit imprévu. Donc, regardez, hop. Ok, 12 minutes, plus les liens, donc on est à un quart d'heure. Je coupe juste quelques secondes. Je m'en pose. Je coupe juste quelques secondes et je vous reprends tout de suite. Ok, donc, eh ben, me revoilà. Juste une petite pause, le temps de C'est fait. voir un petit peu ce que me voulait Anubis. Donc, il m'a envoyé des liens pour un truc. Donc j'avais besoin de programme pour réparer un PC et je ne les avais plus. On est où là? On est où? On est là, ok. Bon, ça n'a aucune logique, hein. On est bien d'accord. Par contre, là, en résultat, on est du bon côté. Pour éventuellement arriver ici. C'est fait. Bon, par contre, on est très mal barré niveau vie. J'ai pas voulu me régénérer. Ok, et voilà donc la sirène rugissante. Tâche facile. J'espère que ce coup-ci, il n'y aura pas trop de trolls. Ivan, ok. Qui va entendre l'histoire d'un meurtre et d'une duperie? C'est 10 pièces d'or. Et ça lui vaut bien. La victime, c'est le bonhomme là-bas, faire du pain d'enfamé, et mon histoire, elle est aussi vraie que pluie qui tombe, et aussi étrange que neige qui fond. Alors, ces 10 pièces. Si la balafre est mort, il faut que j'entende l'histoire. Voici l'argent, l'ami, et j'espère que vous direz vrai. C'était la balafre, commandant second famille. Ça s'est passé dans la rue sombre. La pluie cognait contre les vitres et j'étais trempé jusqu'aux os. Transi, j'étais. Un assassin, un malin, s'est précipité sur lui et lui a tranché les cordons de sa bourse avec un couteau plein de sang. Avant de prendre la ruelle et la balafre, ce bon homme, il s'est mis à le poursuivre dans le noir, et moi j'ai couru à son aide en trébuchant dans les flaques. Oui. Mais ce détrousseur, c'était pas le petit pauvre que vous pensez. Non, c'était pas un pauvre du tout. Et il a crevé les yeux du bonhomme avec son poignard. Et après ça, il lui a tranché la gorge. Le vicieux. Tiens, ce qui va se passer avec mes oies, je le sens bien. Oui, ce sont des oies, hein, que vous entendez. Ce sont les. Enfin, ce sont ceux de ma mère. Que vous entendez gueuler à chacun des épisodes de cette série. Il lui a tranché la gorge, le vicieux, en le laissant saigner tout sous la pluie. Si je lui ai porté secours, la lame est sortie aussi vite qu'elle est rentrée. Et j'étais là, tapi dans l'ombre, alors que la créature changeait de forme, puis disparaissait dans la nuit noire, les mains couvertes de sang. C'est en racontant la vérité sur la mort du bonhomme
À qui veut bien donner la pièce que je suis utile? C'est assez, je crois. Vous serez d'accord avec moi, non? La miroir dont vous parlez est un duplo-gangeur. J'en ai rencontré beaucoup récemment. Tous engagés par le trône de fer. Savez-vous pourquoi le trône de fer pourrait vouloir la mort de la balafre? Le trône de fer, vous dites, c'est pas dans l'histoire, mais ça peut l'enrichir. Le duc Eltan est malade et alité au poing enflammé. Alors le bonhomme, la balafre, le remplace comme. Ch Alors le bonhomme le remplace Angelo, un rang en dessous dans la hiérarchie, avait avantage à le tuer. Et mes avis que c'est lui le tueur, mais le trône de fer, je ne saurais dire. Si vous pensez qu'il y a du vrai dans tout ça, cherchez dans l'enceinte du poing enflammé ou dans la tour du trône, car c'est là que se trouve la réponse. Une tâche facile. Alors quoi, on retourne au trône de fer? Enfin, au trône de fer, au... Bon, donc deux quartiers. Allez voir le trône de fer et le quartier général du pont enflammé. Il faut qu'on retourne au quartier général du pont enflammé. Eh ben, mon gars, t'es pas sorti de l'auberge. Bon, sachant que moi, il me reste pas beaucoup de temps à vous accorder, ou alors je peux reprendre. Pour la fin de partie plus tard, on va retourner. Pour cet épisode-là, on va retourner jusqu'au trône de fer. Non, pas jusqu'au trône de fer, jusque. Ah, je le sens mal ici. Ici, je sais qu'il y a un garde. On va plutôt aller se diriger vers. On va plutôt se diriger vers l'enceinte du point. Du. Les villes sont tellement intimidantes. Il me fait et il y a peur ce con. tellement de monde. Bon. Une tâche facile. On va plutôt aller au trône de fer. Ouais. Non, on va se Oui, rapprocher monsieur. de là où on était. Par là on pourra pas remonter je crois. On va essayer par là. Je sais plus ce qu'il y a par là. Il y a quelque chose là. Ok, on arrive ici. Par là, on peut rejoindre le pont enflammé, je crois. Ouais, c'est cela. C'est cela, oui. C'est fait. D'ailleurs, est-ce qu'on peut... Non, on peut pas.
pense pas que l'on puisse, mais bon, on va quand même tenter le coup. Et je suis désolé, il fait un temps déplorable aujourd'hui. Il pleut. Attendez, 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 parce que je le sens très mal cette histoire, mais très très mal. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Alors, ça va être un soin pour tout le monde. Et pendant que la tempête dehors, et ben ça s'arrange pas. Ah putain, j'ai Jaira qui a pas été ressuscité également, c'est vrai. Il va falloir d'abord que je trouve un moyen de ressusciter Jaira. Bon, on va déjà tenter comme ça. Sauvegarder. Non, pas sauvegarder, on va juste tenter de se reposer. Voilà. De nouveau les soins, donc Imoen, et bien soignée, elle aussi. Toi, ça pas tarder. Ok, presque. Bon, il lui manque un petit point de vie, ce n'est trois fois rien. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va essayer de récupérer Jaira? Pour récupérer Jaira, par où je passe? Je passe par là. Là, je sors de la carte et je reviens au début de Baldur Gate. Enfin, de la porte de Baldur. Le problème, c'est que là, c'est bourré de garde. On tente le coup, on tente pas. On n'entend pas le coup. Je serais d'avis à le tenter. C'est fait. On verra bien ce que cela donne. Ah, puis j'ai deux sorties. Est-ce qu'en se baladant de nuit, il y a moins de gardes? Ça serait éventuellement quelque chose à regarder. C'est vrai que je n'ai pas vu de garde de nuit. Sinon, j'essaie d'y aller avec une voleuse. L'idée, c'est d'aller là. D'égout ici. Je dois vous entretenir en privé. Les temps sont troublés. Ok. Veuillez pardonner mon excessive discrétion, mais nous vivons des temps troublés.
Si vous m'autorisez à parler un instant, je crois avoir quelque chose qui vous plairait d'entendre. Peut-être pourrait-on s'entraider. Je m'expliquerai plus en détail quand j'aurai le temps. Pour l'heure, sachez autre chose. Celui qui prétend soigner la maladie du duc Eltan n'est autre que celui qui la provoque. Certains signes vous ont sans doute déjà mis la puce à l'oreille, mais aucun n'a été si flagrant. Vous avez certainement les moyens d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Votre nature même vous place au-dessus de l'intelligence moyenne. Et la tutelle de Gorion n'a pas pu renforcer cet avantage. Votre famille a-t-elle rompu les liens avec vous? Je ne crois pas. Je crois que vous sentez son influence et que vous allez où elle vous pousse encore une fois. Vous voyez que j'en sais long sur vous. Peut-être. Attendez, je vérifie juste un truc. Ouais, ok. Peut-être plus que vous. Trois choses incarnent la force: l'amour de la vie, la peur de la mort, et la famille. Une famille. Alors, si. Attendez. Trois choses incarnent la force. Ouais. Moi, j'ai un autre truc dans le même genre, dans l'idée, mais bon. Une famille qui aime la mort aurait en vérité une grande influence. Le sentez-vous? Le sentez-vous? Lui, il vous déteste, vous savez. Qu'avez-vous fait? Vous existez et le chaos sera répandu. C'est ainsi qu'il devait en être, mais j'espère changer tout cela. Je dois partir et vous devez aller retrouver le duc Eltan. Protégez-le de son guérisseur. J'attendrai près du quartier général du Pont Enflammé. Nous reparlerons. Et j'ai des choses à vous demander. Ok, donc il était prévu dans le scénario justement qu'on ait un personnage qui meurt pour qu'on vienne ici. Je peux pas ressusciter ici. Bon, écoutez, on va juste faire le plein ici. De toute façon, moi, je vais devoir y aller. Devoir m'appelle. Donc, eh ben, écoutez, bah, sur ce, bah, cet épisode aura été court. Je pense. Mais bon, ça change de d'habitude. Et puis, bah, sur ce, bah, je vous dis à bientôt.